to all the ladies in the place with style and grace. Allow me to lace these lyrical dishes in the bushes. Who rock crews and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping my wet is made to find me. The back of the club, Mac and hoes, my crew behind me. Mad question asking, blunt passing, music lasting. But I just can't quit. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous dans KEMS, saison 2, la saison de la maturité et du gel hydroalcoolique. On va en mettre pas mal dans la journée, je vous préviens. Salut à toi, jeune entrepreneur. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou jouer au KEMS avec moi et peut-être pouvoir acquérir ce genre de tableau de gamme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Pour jouer au KEMS, il va nous falloir deux équipes. Des candidats. Les deux équipes, aujourd'hui, nous avons Monsieur Jamel Debbouze. Oh, d'ailleurs, viens, on va voir à la petite bête, c'est qui le préféré. T'as bien démarré. Monsieur Debbouze sera associé à Monsieur Éric Judor. Yeah. C'est super, je savais pas que je jouais avec toi. Moi aussi, c'est super. Non, non, non. On a fait H ensemble. Ah oui. C'était toi. Mais oui, c'est lui, là. Me dis pas que putain. J'avais des bottes d'orgueil. Le crâne chaud, il me rappelle. Mais c'est lui. Regardez. Je suis venu dans Brockbeck Mountain, toi. J'ai vu ce truc. Allez. Thank you. Thank you. Monsieur Alban Ivanov. Alban Ivanov avec Jimo. Tout de suite les règles chez vous du KEMS. Nous avons 4 joueurs et 2 équipes. Je vous distribue les cartes, j'en étale 4 au milieu de la table et à mon top, vous devez échanger vos cartes avec celles disposées sur le tapis de jeu dans le but de réunir 4 cartes identiques et de le faire savoir à votre coéquipier sans vous faire choper par les adversaires. Comment le faire savoir à votre équipier? En lui faisant le signe secret sur lequel vous vous serez mis d'accord. Ce dernier crie alors « KEMS » et l'équipe marque un point. Mais attention, si le joueur adverse pense avoir découvert votre signe secret, il hurle « contre KEMS ». Si c'est vrai, c'est lui qui marque un point et le jeu reprend. Le match se joue en 3 parties. L'équipe marquant le plus de points accède à la grande finale. Bon KEMS à tous. Voilà. Voilà pour les règles. Les règles, c'est bon, mais vous, vous accrochez pas à ces règles. C'est pour que les gens comprennent, mais autour de cette table, c'est moi le patron. On dit couper KEMS. D'accord, j'adore le KEMS. Contre KEMS. Contre KEMS. Contre KEMS. Contre KEMS. Contre KEMS. J'adore le KEMS. Vous êtes américain? Yeah. Première partie, c'est parti. C'est parti. KEMS, il va falloir donner des signes. Les voient tout de suite le signe que vous avez choisi juste avant pour les gens qui sont chez eux et qui ne comprennent pas. Moi, c'est un signe physique. J'arrive vers toi. Je fais As. Il y a une table entre vous. Ouais, c'est pas possible. Il y a une table. Mais t'as pas vu l'année dernière? T'as pas vu? C'est pas possible. C'est vraiment un signe discret. Je peux pas faire ça. Moi, c'est sonore, je dirais. Je trouve pas que Ramzy transpire beaucoup. Ah, ça marche parce que je transpire. Ah, oh, bien vu. Nous avons le premier signe pour la première manche. Tu trouves pas que Ramzy transpire beaucoup? Nous, quand on a 3 cartes pareilles, on fait un cri de loup. Ah oui. Mais ça veut dire qu'on en a que 3. Moi, je sais pas faire le cri, je vais faire le loup. Je vais juste dire, ah, il y a un loup. Ouais. Mais ça veut pas dire KEMS. Non. Ça veut pas dire KEMS. Okay. Le thème, c'est vas-y, il triche. C'est ça, premier signe, première manche. Vas-y, il triche. Ouais, ça triche. Vas-y, il triche. Il nous faut donc des cartes que j'ai pimpées. On va pas jouer avec les cartes roi, dame, valet, dame, roi, as, valet. D'accord. J'adore, ne lâche pas ce personnage. Les cartes avec lesquelles nous allons jouer avec les chanteurs qu'on devrait fusionner pour voir ce que ça donnerait musicalement. Ah. La première carte rigolote que vous allez avoir pour jouer avec, ça va être Frank Michael Jackson. Ah, c'est rigolo ça. Il est beau, c'est hein. Marrant, ouais. Qui chante « Toutes les femmes sont bad ». Ah, Michel Delpech mode. Oui. J'aime bien ça. Avec Enjoy the Wire Cher. Oui. Et celle-là, elle passe ou pas? Rolling Stone et Chardin? Non. Moi, j'aime pas. Ouais. Moi, j'aime pas, moi. Mais sinon, t'as des vannes de 2020? Non. Vous applaudissez ça. Applaudissez pas. C'est no applaudi. Téléchine. Téléchine. Ouais. Ça, moi, j'aime Mireille Mathieu Chédid.
Claude-François Hollande. Claude-François Hollande. Nous allons jouer c'est avec une mal, deuxième série de cartes, mes amis, mais cette fois, c'est une catégorie mystère. Je vais vous montrer 6 cartes. Il y aura un premier point à prendre, là. D'accord. 6 cartes, quel est le point commun? On est prêts? Allez, café. Pour l'instant, on ne peut pas dire parce qu'il n'y a qu'une carte. Ouais. Café. Il a raison. Allez, jupe, enchaîne. Charabia. Charabia. Guitare. Une bougie. Algèbre. Quel est le point? Ils sont tous chauds. Non. Le confinement. Non. Les Arabes. Oui. Pardon. Les Arabes. Ce sont tous des mots arabes. Oui, ce sont bravo. Tous des mots. Un point pour l'équipe de Jamel Debbouze et Éric Judon. Jupe. Le café, ça vient de Ahwa. Ahwa, jupe. La jupe, Jobba. Jobba. Le charabia de Arabia. Guitare. Bougie, Béjaïa. Boujaïa. Algèbre. Algèbre. C'est nous. Mais c'est nous. Cette table, c'est le Ken. Non, c'est nous qui avons inventé tout. Les Américains. Pour la première partie, il y en aura 3, mes amis. 3 parties. Je distribue 4 cartes. Du milieu. Si, Eric. Jupe. Je pense pas vous l'ayez. Mais si. Al-Jabba, ça dit Jabba. Jabba. Je jure que c'est vrai. Ça me paraît bizarre que vous inventiez le mot et après vous dites aux meufs, non, vous les enlevez. Mais parce qu'on a été trop vite. On a coupé le tissu, on a dit ma jupe. Et après, on enlève le tissu. Trop chelou, très bizarre. Je vous accorde pas cette invention. Mais si, on l'a inventé après, on s'est rétracté. 4 cartes. Attendez, dès que je dis Kems. Kems. Oh, un bâtard. Allez, c'est parti. Cette partie. Ok. Al-Jouba. Je vois rien. Tu trouves pas qu'il transfère Est-ce que, attendez, le signe d'Eric et de Jamel, c'était tu trouves pas qu'il transpire beaucoup, Ramzy? Voilà. À peine il l'a dit, il l'a grillé. Voilà. Et il a eu raison, il l'a. J'ai surveillé. Je rappelle qu'un contre-Kems, c'est 2 points. Ah. Voilà. Ce qui nous fait au score pour Alban et Jimo. Sûr qu'on a gagné. 2 points. Voilà. 1 point pour Eric et Jamel. L'année dernière, quand on a fait cette émission, les téléspectateurs nous ont écrit pour nous dire on ne connaît pas assez les candidats. Est-ce qu'il est possible de leur poser des questions? C'est super. J'ai donc un questionnaire afin de mieux vous connaître. Les téléspectateurs en meurent d'envie. C'est vachement bien. On va commencer par Jamel et Eric. Je vais vous poser des questions très rapidement, 45 secondes. Ensuite, je poserai d'autres questions à nos 2 autres candidats. Ceux qui ont le plus de bonnes réponses gagneront 1 point. Est-ce que vous êtes prêts? Là, c'est qu'eux qui jouent. C'est qu'eux deux qui jouent. On répond en même temps et tout ça. Non, chacun votre tour. Top chrono, comment ça va, Jamel et la famille? Très très bien. Et toi, Eric, qu'est-ce que tu deviens? Alhamdoulilah. En tant que producteur, tu la trouves comment, l'émission? Pas mal. Dis donc, c'est pour quand le grand retour d'Eric Ramzy? 18. Tu fais quoi, toi, en ce moment? Rien du tout. Et toi, tu prépares quoi en ce moment? Des trucs rigolos? Non. Qu'est-ce que tu ne m'as jamais dit, Jamel? Toi qui as beaucoup travaillé avec moi, il est comment, Ramzy? Un peu sympa. Qu'est-ce qui t'énerve quand on parle de toi? On m'appelle Ramzy. C'est quoi ton adresse? C'était il y a combien de temps, âge déjà exactement? 20 ans. Tu as quoi comme voiture en ce moment? Mon numéro de téléphone? Mais je peux même pas parler! 06 19 36 90. C'est quoi là? Ouais. C'est le mien, stop! Mais c'est un jeu, c'est un gag! Eh ben, c'est une bonne réponse! C'est une bonne réponse! Si je dis 06 20 et 40, machin, c'est pas son coup, numéro! C'est pas son numéro! Voilà, son numéro, des vraies réponses, c'est 06 10 oh! J'ai pas dit 06 17 17 0. Non! Prochain Marrakech du Rire. Au mois de juin prochain. Qu'est-ce que tu aimes bien chez Jamel? C'est qui ton préféré entre Eric et Ramzy? Eric. Qu'est-ce que tu... À la tomate. Oui. Ah c'est bon, ça. Ça, c'est mon gars sûr, ça. Bien sûr. Bien sûr. Combien de bonnes réponses? Ça, tu triches parce que... On n'a jamais atteint ce score. 17 bonnes réponses. Ça va être dur à battre. Bah, on essaye d'être comme vous, les Américains. Et maintenant, on passe à la deuxième partie de Kems. Ah, il peut pas rester à la maison tout seul. Non. Il est gentil, le chien. Et tu es gentil. Gentil, le chien. Yeah.
pour l'attaquer, lui. C'est un accent. Ah, c'est un antillais, apparemment. C'est un antillais, ton mec. C'est un antillais des États-Unis. C'est pour l'attaquer, lui. C'est pour l'attaquer, lui. C'est-à-dire... C'est tellement pas un ricain. Franchement, fais-moi confiance. Pour cette deuxième partie, on a aussi convenu d'un signe secret que vous vous êtes convenu secrètement et que vous avez fait avant et que les gens vont voir pour qu'ils comprennent l'émission, même s'ils comprennent absolument rien au jeu. Deuxième signe. Ça, on n'a pas réfléchi encore. Ça, nous... Attends, c'est trop deux, frère. Ben, parce que déjà, celui-là, là, on s'est vu la semaine dernière pour commencer à en discuter. Vous voulez un mot? Un mot? Un mot? Non, un mot. Vas-y, deuxième. Un mot, il faut que vous cassiez chloroquine. Ça vous va comme deuxième signe? Leur deuxième signe sera chloroquine. Il transpire beaucoup, c'est imparable. Oui, mais c'est déjà le signe de la première. Ça, c'est pour la deuxième partie maintenant qu'on cherche un signe. Ah, on cherche un signe pour la deuxième partie. Voilà. Ben, il transpire beaucoup, quoi. En coupure. Pour cette deuxième partie, on va dégager les chanteurs fusionnés et on va les remplacer avec la vie de rêve très naturelle des Miss France sur Instagram. D'accord. Là, c'est juste des cartes hilarantes. On va jouer avec. Laissez-nous juger. On va jouer avec Valérie Beigue. On peut voir Valérie Beigue qui applaudit à son balcon, ça c'est sur le sein. Valérie Beigue qui fait des bisous en haut d'un phare et Valérie Beigue qui boit du vin à Walp dans les vignes. On aura aussi la carte Marine L'Orphelin, Miss France 2013, avec Marine L'Orphelin qui sort de l'eau pas mouillée, Marine L'Orphelin qui aime son mec devant un manège et Marine L'Orphelin qui est à la plage en robe, talon, qui est sexy, qui est super. Ensuite, on a Camissaire, Miss France 2015, Camissaire qui marche sur une église, Camissaire qui pense et Camissaire qui nous présente son chat. Un chat flouté. Ah ouais. Un chat flouté. Voilà. Ensuite, on a Sylvie Tellier. Sylvie Tellier qui va se faire à manger. Ah, je dirais qu'elle sort avec l'homme invisible. Il fait 2m50. Au moins, tu nous l'as fait à nous. Tu vois, bien vu. Sylvie Tellier, bien vu. Qui mange du muguet. Et Sylvie Tellier, qui prépare l'Aïd. Ensuite, Élodie Gossoin, qui boit du vin dans des nounours. Élodie Gossoin, qui est sur des rochers. Et Élodie Gossoin, qui fait de la trottinette, voilà. Et le dernier, allez, on y va, Laurie Tillman, c'est tout avec son cum, de toute façon, on s'en fout. Ça nous fait des quatre rigolotes, n'est-ce pas? Oh, j'ai mal au ventre. Je me bidonne. Tu peux pas mélanger tous tes personnages. Ouais, j'avais ce que j'avais. Moi, j'étais bien sûr américain, mais là... Je vous distribue quatre cartes chacun. Il suit pas. Le premier qui a quatre cartes identiques fait le signe convenu. Vous vous souvenez de votre signe? Oui, Ramzy. Merci, Alban. Ouais, allez. Si, la famille. Hey, retourne ta carte. Il faut en redonner une. Hein. Allez-y. C'est parti. Ok, Elodie Gossoin, Sylvie Tellier. Super, algèbre. Et Dickens. Dickens, stop. Attends. Si tu n'as pas Kems, attends, si la Kems, il a 4 cartes. Tu peux me montrer 2 cartes différentes? Non. Non. Tu t'es foiré. Non. Est-ce que t'as une Kems? Non. Triche pas, parce que... Est-ce que t'as une Kems? Tu vas tricher. T'as rien à faire ici, toi. C'est ça, vous allez tricher. C'est un Américain, il est partout chez lui. Américain. D'accord, ok. Il a donné quelque chose, c'est sûr. C'est bon. Oh, non, regardez. Je peux montrer 2 cartes différentes. Il y a 2 cartes différentes, il n'a pas de Kems. Non, mais triche. Je vous êtes fous, ils viennent d'échanger les cartes. Le contre carte est accepté. Triche. On peut avoir le ralenti de l'échange de cartes dans mon dos. Oui, regardez jamais. Regardez. Là, la carte, là. Il essaye de lui passer. Regardez. Quoi qu'il en soit, c'est 2 points. Ce qui nous fait un score de 4. Non. 1 pour Alban et Jimo. C'est 2 points. Alban Ivanov, Jimo, ça va être à vous le questionnaire chrono. Bah, ça va toi? Mais c'est vrai. Je suis en train de faire l'émission. Oh là là. T'es sérieux, tu réponds en fin de tête? Oh là là. Ouais, mais franchement. T'es sérieux? Attends, Jimo. Comment ça, Attends, mais. On est parti, est-ce qu'il y a là?
Le non. Décodeur. Attends, ça c'est carrément contre moi ça. Non, c'est, j'ai les questions. Tu voulais dire non, le chronomètre. Contre... Alban, contre toi, j'ai des questions pour toi, mon frère. Et swap sur le coup, ils ont eu 17 bonnes réponses. On n'a jamais eu 17 bonnes réponses depuis qu'on, jamais, qu'on est là. Jamais. Après, je dis que les questions de rapidité, c'est contre moi. Hein. Attention, top chrono. Ça va, Jimo? Pas oui, trop ça speed va. Ouais, ça va. Très bien. Et toi, Alban, ça fait quoi d'être une star de cinéma maintenant? Ça va. Jimo, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis un an? De rien du tout. Alban, tu l'as connu quoi? Tu l'as connu comment, Gino? Zizi. Jimo, qu'est-ce que tu n'as jamais eu le temps de faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais changer chez toi si c'était possible? Picou. Tu fais quoi? Stop. Il répond pas. Quoi, j'ai t'as répondu dit quoi? Non. Pas on va gagner. Hey, t'as la 17 réponses. Attends, mais quoi? Réponds des trucs. Picou, j'aimerais changer picou de choses. Oh, c'est trop absurde, je pense. C'est par le mexicain. J'ai pas eu ton petit film par le mexicain. Tu ouais, penses quoi des gens qui ont fait du pain chez eux alors qu'il y a des boulangeries partout? Tu sais ça, qu'est-ce que tu détestes regarder à la télé? Hey, il reste 6 secondes, essaye de marquer des points. T'es prêt? Vas-y, vas-y, frère. Qu'est-ce qui te dégoûte le plus dans la vie? Le matin. Qu'est-ce que tu préfères? Il y a 10 bonnes réponses, vous en avez 17. Un point pour Jamel et Eric. 2-2. Ils l'ont déjà eu. 2-2, ça va. Non, non, t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. 2-2, ça va. Maintenant, il est temps de passer à la troisième et dernière partie de ce Kems. For all the ladies in the place, with style and grace, allow me to lace these lyrical bushes in your bushes. We rock crews and make moves with all the minds. Il y a un signe imposé que les gens peuvent voir maintenant, les signes secrets que je leur ai imposés. Le signe que je vais vous imposer, c'est simple. Il faudra que vous placiez, pour déclencher le Kems, moi, j'y crois pas trop à la chloroquine. Pour la troisième partie, il faut que vous placiez, faut que tu dises à ton coéquipier, ça se voit que tu fais du crossfit. Kems. Bah là, ça... Et comme ça se voit, hop. Excuse-moi. Je suis lésé depuis le début de cette partie. Ah merde. Oula. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'arrive pas à prendre toutes les cartes en même temps. Tu dis ça parce que tu perds. Ouais. Tu perds pas, on est à 2-2. Non, laisse-moi. J'ai besoin. Ah, tu as juste envie de pas être content. Viens. Ah. Dans ce cas, il faut détenir de cartes à tout le monde, frère. Quoi? Il faut détenir de cartes à tout le monde, y a pas que toi. Attends, non, si on peut choisir. Tout le monde est fatigué. Monsieur, vous votez derrière. Allez, teneur de cartes pour Jimo. Tu t'assois et tu vas derrière elle. Pour cette dernière partie, vas-y, attention bonjour, parce que là on va démarrer avec 6 cartes et le premier qui me dit le point commun prend un point. On est parti. Charlotte. C'est qui ça? Divorcé. Gland. Pâtisserie. Ouais, pâtisserie. Je... Ah ouais. Pâtisserie. Pardon, pardon. Encore, ah bon, c'est qui ce mec là? Allez, allez, allez. Tout ça, ce sont des pâtisseries. Et c'est donc un point pour les résidents de Jamel Debbouze. Vous pouvez retourner à vos places, mes amis. Nous avons fini avec vous. Ah ouais. Merci infiniment. Et moi, je peux garder ma teneuse de cartes? Vas-y, viens. Ouais. C'est vraiment parce qu'elle est rouge. Avec plaisir. Je vous distribue 4 cartes à chacun. Le premier qui a 4 cartes fait le signe à son coéquipier et dit le signe. Je vais vous rappeler du signe, Jimo? Oui, bien sûr. Alban, t'as le signe? Oui. Melja, t'as le signe? Quel signe? Éric Judor, vous avez le signe? Ouais. Merci. Ouais, y a pas de souci. Attention, ok. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, il n'avait pas de carte. Il n'avait pas de carte. C'est bon, c'est vrai. Repose. Non, c'est t'as tout pris. Mais c'est qu'un jeu. J'ai un peu paniqué. Non, Jimo, j'aime, ça veut dire que t'es dans le jeu. J'ai un peu paniqué, ça arrive. Ça se voit que je fais des crossfit. Top, 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 top. Voilà. Mais oui. Alban a dit... Est-ce que vous avez affaire à des professionnels? Alban, quel était ton signe? Ça se voit que je fais du crossfit. Peux voir tes cartes pour parce qu'il y a des gens qui vont voir du vice. Regardez, monsieur, madame. 4 cartes. Alban avait bel et bien le Kems et Jimo l'a bien senti. Bien joué. Ça nous fait donc un point. Merci ah ouais. Pour toi, l'équipe de Jimo et d'Alban. On est à 3-3. Ah, mais si, pâtisserie. Ah oui. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une partie pour se départager à 2 points. Allez, une dernière. Allez, elle va vite. On va gagner. Non. Ouais, allez, oui, vous avez gagné, mais il y a 3-3, frère. Chaperon rouge. Chaperon rouge, viens là.
Allez, c'est parti, c'est parti, Kems. Allez, Kems. Allez. Oh, allez, déjà, remettez les cartes. Allez, allez, remettez les cartes bien. Il y a des camissaires. Mais tu crois, t'es invité, toi? Elle est folle. Allez, on y va. Allez, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Non, non, non. Vas-y, vas-y, vas-y. On est parti. Vas-y, jouez sérieusement. Jouez sérieusement, parce que là, on n'est pas là pour rigoler, nous. Je crois que je suis mis au crossfit. Score final de 5 à 3 pour Eric et Jamel. Est-ce qu'on a rien ? Monsieur Gimo, c'était votre place. Monsieur Gimo, désolé, ça c'est votre place. Loser. Monsieur Gimo, Alban, on n'a plus besoin de vous. Vous êtes un loser. Attendez, tu vas avoir un cadeau quand même. Ça, c'est ma bibliothèque et je te prends un DVD. Tiens, alors celui-là, je l'ai vu en plus. Très net. Christophe Nolan nous fait remonter le temps avec ce biopic de Charles Trenet. C'est beau. Eric, vous avez eu un vieux DVD vide en plus, c'était juste pour la vanne. D'accord, ok. Vous, vous allez pouvoir gagner ceci. Regardez, vous êtes dans la rue, il y a une bagarre qui éclate, une bagarre. Mais vous vous rendez compte de quoi? C'est qu'il pue trop de la gueule. Une solution, le poing américain pour lui niquer sa gueule et lui laver un peu les dents avant. Avant un coup de poing. Putain, je veux le gagner celui-là. Voilà, hop, il est propre et après, vous pouvez vous battre. Super. Le cadeau est là, il est pour vous. Le cadeau est pour vous, suivez-moi s'il vous plaît. Et c'est parti pour la grande finale. Bravo Eric, bravo Jamel d'avoir remporté cette partie. C'est normal, ils étaient nuls. Je vais vous poser 10 questions à chacun. D'accord. À tour de rôle, il y en a un qui va aller là-bas pour qu'il n'entende pas les réponses de l'autre. Le premier aura tout le temps pour répondre. Le deuxième n'aura que 30 secondes. 10 questions, 7 réponses identiques. Vous remportez le cadeau et vous remportez le grand prix. Qui veut répondre tranquille, qui veut répondre en speed? Ah ouais, là, c'est le ça c'est quoi? Toi t'es tranquille. Moi je suis tranquille moi. Mettez un casque à Melja, on est bien? Bien, c'est bien. C'est bon. Voilà, ok. Eric Judor, Eric. Consonne ou voyelle? Voyelle, voyelle. Réfléchis à ce qu'il peut répondre, mais arrêtez-vous. Il va jouer avec la vanne de consonne. Ok, ça marche. Maître Gims ou Maître Yoda? Rap ou cinéma? Je crois qu'il le connaît, donc Maître Yoda. Maître Yoda. H, la série, ou Z, le film avec Yves Montand? H. Les Marseillais, on embrasse Paga, ou le reste du monde? Je pense qu'il va dire le reste du monde. Essuyer une table ou essuyer une défaite? Essuyer une table. Table. Plutôt pour ou plutôt... Une table. Plutôt pour... Mais va lui dire carrément. J'ai choisi non, table. Mais je réponds convaincu. Ok. Table. Je suis convaincu. Plutôt pour ou plutôt contre? Il est positif, Jamel. Donc c'est plutôt pour. Pour. Plutôt pour. Pour, je pense. C'est honteux, c'est honteux. Ben, je suis sûr, il a pas le casque. Attention. Je sais pas ce que vous dites. Ouais, tu vois, c'est bon, allez, on continue. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Tu préfères te faire griller par tes parents en train de faire des bisous à ta copine? Ou griller tes parents en train de se faire des bisous? Toi qui te fais griller? Me faire griller, ouais. Tu préfères te faire griller? Me faire griller, ouais. La triche des années 70. Non, non, franchement, je te le dis, vraiment, je préfère me faire griller, moi. Moi. Ah non, je voudrais pas griller mes parents. Oh, non. Rouler en trottinette électrique? Ouais. Ou manger un bol de vomi? Miam, miam. Quoi? Mais qui choisirait bol de vomi, par exemple, là? Bah, pour ceux qui détestent la trottinette électrique. À ce point? Il faut vraiment... haïr la trottinette électrique. Non. Alors? La trottinette électrique, évidemment. MMA. Ah, vas-y, MMA, fait, les mutuelles, ou MMA, le sport? MMA, le sport. Et ensuite, Alban ou Jimo? Ah, c'est méchant. En soi, c'est pas méchant, c'est plus, il nous en faut une, vas-y. Prends celui qui a un chapeau. Almo. Almo. Top! Allez, Jamel, bien fini, c'est parti.
Kamel Debbouze, c'est honteux. Vous avez 30 secondes pour répondre le plus rapidement possible à ces questions. Oui. Il y a 10 questions. Si vous avez 7 réponses identiques, oui. De la triche. Vous avez gagné le super cadeau point américain brosse à dents. On vous le donne. Mon rêve. On est parti. Consonne ou voyelle? Consonne. Voyelle. Réponds vite. Maître Gims ou Maître Yoda? Yoda. H, la série, ou Z, le film? H. Les Marseillais ou le reste du monde? Le reste du monde. Essuyer une défaite ou essuyer une table? Essuyer une table. Plutôt pour ou plutôt contre? Pour, toujours, positif. Te faire griller par tes parents? Te faire griller par tes parents en train de faire des bisous à ta meuf ou griller tes parents en train de faire des bisous? Griller tes parents en train de faire des bisous? Non, rouler en trottinette ou électrique ou manger un bol de vomi de soupe. Je pense. Attendez, parce que vous voyez pas, vous trichiez pas. Non. Non, parce que ce cadeau en plus, quel est l'intérêt? Tricheur. Nous n'avons que 6 bonnes réponses. Et c'est perdu. Mais on va perdre les cadeaux quand même. C'est pas grave, personne n'a gagné. Merci à tous, merci à Jamel Debbouze, merci à Eric Judor de nous avoir fait l'immense honneur de venir jouer avec nous. Jamel, viens voir ici, Jamel, s'il te plaît. Jamel, ton actu, évidemment, c'est cette émission qu'on fait ensemble, et le Jamel Comedy Club qui va bientôt rouvrir. Autre chose? C'est vrai, j'ai triché. Eric Judor, je viens vous le présenter. Eric est juste venu pour me faire plaisir. Tu vas manquer, Eric. Alboy Vanoff, encore pareil, la même chose qu'Eric, pas de promo particulière. On va te voir au cinéma dans plein de films. T'as tourné avec Eric Judor pour Netflix. T'as ton spectacle qu'on va revoir. Ouais. À bientôt en 2021 et merci d'être venu. Avec plaisir, merci Ramzi. Et mon amour de Jimo. Pareil, on attend tous de rejouer. En attendant, on met notre énergie ici. J'ai vu le premier spectacle, je verrai le deuxième, on sera tous là. Rendez-vous sur scène pour aller voir Jimo le plus vite possible. Casse-toi l'été. Rendez-vous très vite pour une nouvelle partie. Et d'ici là, allez tous vous faire scène. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical dishes in your bushes. Who rock crews and make moves with all the mommies? The back of the club, sipping my wet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music lasting, but I just can't.